merci d'être avec nous pour cette édition du journal. À la une de l'actualité, un nouveau crime imputé au présumé ADF a fait au moins 20 morts au Bénin. Pour arrêter ce cycle de violence contre les civils, il faudrait rétablir la mesure du couvre-feu qui avait permis de réduire la criminalité dans ces territoires. Mener des enquêtes sérieuses et sanctionner les criminels conformément aux lois de la RDC. Le service SMS sera établi dimanche le 8 février, l'Internet mobile lundi 9 février. Les entreprises de télécommunications ont annoncé hier 6 février dans des messages qu'elles ont envoyés à leurs abonnés. Après plusieurs jours de coupure de ces deux services, le gouvernement congolais a autorisé la reprise de ces deux services. Toujours au Congo, les défaites du football Congo-RDC contre la Côte d'Ivoire, envoyé spécial notre correspondant, M. Joseph Bakikila. Bonjour, M. Joseph Bakikila. Bonjour, M. Bakikila. Ça va par la grâce de Dieu, papa, merci. Pouvez-vous nous faire part de l'ambiance du foot à Guinée-Bissau, là où vous êtes? Soyez à l'aise, papa. Allô? Soyez à l'aise, nous sommes avec vous. Ok. Bon, alors, merci, Monsieur Joseph Bakikila, notre envoyé spécial. Nous souhaitons bonne chance à l'équipe nationale Simba. En Allemagne, à l'occasion du début de l'année 2015, le RCK Allemagne invite toute la diaspora congolaise, ses membres et toute personne sympathisant avec le peuple congolais à participer à une rencontre de prise, de contact, de concertation et d'échange qu'il organise ce 21 deuxième mois 2015 à
Avec un achat, c'est 14-41-0-61 Mönchengladbach de 15h à 18h. Merci d'avoir été avec nous sur cette édition du journal avec BundesTV, votre présentatrice Cécile Kimia, toujours à votre service. Merci.